Pendant tout ce temps, nous avons vu plusieurs valeurs des temps. Aujourd'hui, c'est très simple. Nous allons essayer de voir tout ce qu'on a vu en quelques minutes. On va faire le résumé de tout ceci. Avant tout, bonjour, merci et bienvenue sur ma chaîne. Vous cherchez des solutions et comprendre comment utiliser les temps. Alors, vous êtes au bon endroit, sur la bonne chaîne. Nous allons voir ensemble les valeurs que nous avons étudiées dans les vidéos précédentes. Nous allons commencer par exposer ce qu'on appelle l'emploi et les valeurs des temps verbaux. Premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est la présentation de deux systèmes. Donc, notre système va s'organiser autour de deux systèmes qu'il faut retenir. Premièrement, les temps sont organisés autour du présent. Alors, si on a le présent, dans les temps du passé, on peut avoir le passé composé plus l'imparfait. Pour les temps du futur, nous n'allons avoir que le futur, l'indicatif. Et vous allez comprendre que l'énonciation est ancrée dans ce cas. Deuxièmement, les temps sont organisés autour du passé. Alors, quel passé exactement? Nous avons le passé simple et l'imparfait. Alors, avant ceci, ce qui les précède, le temps qui vient avant, c'est le plus que parfait et le passé antérieur. Et puis, nous avons le futur dans le passé, c'est le conditionnel du présent qu'on va utiliser. Alors, ici, on va dire que l'énonciation est coupée, il n'est pas ancré comme dans le précédent. Alors, maintenant, la première valeur que nous allons voir en résumé, c'est le présent. Le présent, ce qu'il faut retenir, on a le présent de l'énonciation, on a le présent de vérité générale, on a le présent d'habitude. Aussi, nous avons le présent de narration, c'est pour rapporter des faits exactement, le futur proche et le passé récent. Alors, deuxièmement, ce sera le passé composé. Le passé composé exprime une action du passé par rapport au moment où l'on parle, c'est-à-dire par rapport à l'écrit. Alors, aussi, il peut exprimer une éventualité après la condition si. Le passé composé toujours évoque une vérité générale ou une action qui se répète. Troisièmement, c'est l'imparfait. L'imparfait, d'abord, il est en arrière-plan par rapport au passé simple. L'imparfait d'habitude. Aussi, on a l'imparfait peut avoir les valeurs modales pour exprimer une hypothèse en mettant la condition si, bien sûr, dans une subordonnée de conditions. Maintenant, la quatrième partie, c'est le passé simple. Le passé simple, contrairement à l'imparfait, exprime une action du premier plan dans le récit. Le passé simple exprime une action du premier plan, mais aussi des actions qui se succèdent ou les actions qui viennent l'une après l'autre. De courte durée, nous avons en cinquième position le futur simple. Alors, le futur simple peut évoquer, par rapport au présent bien sûr, donc le futur exprime un ordre, donc une supposition ou un fait soumis à une condition. La suite, c'est le futur antérieur. Contrairement à son précédent, il évoque une action du futur antérieure à une action du futur qui va venir. Le futur antérieur peut aussi exprimer une supposition. Le plus que parfait. Le plus que parfait exprime une action mise en arrière-plan comme l'imparfait, bien sûr. Il peut aussi exprimer une hypothèse, donc non réalisée dans une subordonnée. Le passé antérieur. Le passé antérieur évoque un fait antérieur par rapport à ce que nous avons vu. Et la dernière étape, c'est le conditionnel. Le conditionnel évoque ou peut exprimer des faits probables et peut aussi exprimer une action future dans le passé et peut aussi atténuer une demande par la politesse. Voilà
un peu ce qu'il faut retenir. Alors, pour aller plus loin, voilà ce qu'on va voir. Alors, nous avons vu tous ces temps, on veut aller plus loin pour comprendre la réalisation ou comment employer ces temps dans nos récits ou lors d'une production écrite qu'on vous demande de rédiger. Les temps de base qu'il faut comprendre. Le temps de base, les ou les temps de base sont ceux qui font avancer l'action. Ceux des événements du premier plan, il existe trois temps de base. Pour les faits passés, le passé simple, le passé composé. Pour les faits qui se déroulent au moment où le narrateur les raconte, c'est le présent, le moment de l'énonciation. Dans le tableau que vous allez voir, le passé simple, c'est ce qui fait avancer l'action. L'imparfait, tout ce qui ne fait pas directement avancer l'action. Donc, le passé simple, c'est le premier plan. L'imparfait vient en arrière-plan. Deuxième temps de base qu'il faut retenir, le passé simple et le passé composé sont deux temps de base du récit. Ils sont utilisés pour les événements du premier plan, les actions. Le passé simple appartient au système de passé. Le passé composé appartient au système du présent. Lorsque les deux sont employés dans un même texte, ils ne mettent pas en valeur l'action de la même façon. Le passé simple, dans le tableau ci-dessus, dans le tableau que vous allez voir, le passé composé, le passé simple. Alors, les actions semblent être plus lointaines dans le passé, avec le passé simple, tandis que le passé composé, les actions semblent être plus proches dans le passé, avec l'emploi de l'auxiliaire être, ou les auxiliaires en général au présent, bien sûr. Donc, action ayant des limites du début et de la fin. Alors, fait sans limite du début à la fin. Voilà comment le temps se déroule. Voilà un peu le résumé des temps que nous avons étudiés dans les précédentes vidéos. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de me poser en commentaire et nous allons essayer ensemble de réaliser d'autres nouvelles vidéos suite à une demande ou à des questions posées en commentaire. Alors, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur ce bouton. Mais aussi, vous pourrez voir notre dernière vidéo juste là. Et aussi, vous pouvez voir notre playlist des temps que nous avons étudiés juste là. Pour terminer, je vous demande de vous abonner, de partager cette vidéo. Et n'hésitez pas surtout, si vous avez des questions à me poser en commentaire, je serai prêt à les répondre.